Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour vous présenter le nouveau DLC Casse-cou jusqu'au bout. Donc désolé si je vous présente pas les vidéos parce que j'étais pas là cet après-midi. Du coup, je fais que la présenter, je fais que découvrir. Donc voilà les trois nouveaux véhicules qui sont super chers. Donc il y a plusieurs véhicules, j'ai pas compté au total, mais il y a plusieurs véhicules. Mais vous allez voir que c'est abusé GTA en fait. Vous allez voir les voitures, les premiers véhicules sont vraiment assez chers. Et ce matin j'ai vu des commentaires sur Facebook et les gens ils me font trop rien parce que en fait ils disent ouais, sur GTA on va finir pauvre, on va finir dans la rue, on va finir SDF parce que les véhicules sont super chers, donc du coup on pourra plus acheter des véhicules, on va finir dans la rue. C'est vraiment assez drôle, vous me faites trop rire quand je vois les commentaires sur Facebook. Je parle pas sur ma page Facebook, je parle sur des autres pages et tout ça, j'en rigole. Donc du coup voilà les autres véhicules, je vous présente. Donc là en haut à gauche, ça ressemble un peu à la 205. Après on a un peu la Panto en haut à droite. Et là ici les trois véhicules, ça fait ressembler au Paris-Dakar. Là, Harley-Davidson, j'aime pas trop la forme mais elle doit être vraiment pas mal. Là, il y a les deux voitures là, je crois qu'on les avait sur GTA normal. Et celle-là là aussi, je suis pas vraiment sûr. Donc du coup voilà, je l'avais fait en plusieurs fois la vidéo, je vous l'ai fait en 2-3 fois. Comme ça vous allez découvrir un peu, vous inquiétez pas. Si vous voulez que je teste un peu de véhicules, dites-moi en commentaire, comme ça je pourrai tester des véhicules, soit des abonnés ou une personne du crew, oui de la team plutôt. Donc je pense celle-là en couleur rouge. Je réfléchis, rouge ou blanc. Je pense que je vais prendre couleur rouge. Ah, j'ai pas assez, c'est pas grave. Donc voilà, la vidéo va être en plusieurs étapes. Donc comme ça va être plus facile pour vous, comme ça on va découvrir plusieurs choses. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo découverte sur du DLC des véhicules du casse-cou jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner. Et moi je vous dis à tout de suite pour les autres vidéos et peace tout le monde, salut.